Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, on commence fort, on fait une console commande. Alors vous voyez, j'ai déjà cherché, j'ai déjà machin, bidule le truc. C'est help M2216 et pas 19. 4. Là on trouve quelque chose. Web que vous ne connaissez pas. Player.additem, c'est un mode, hein, c'est pour ça que je me l'ajoute comme ça. 23 000 805. Oula. 1. Hop. Crac. M2216 ajout. Qu'est-ce que le M2216, chers amis? Le M2216 est une nouvelle arme, donc en standalone. Donc c'est-à-dire que vous pouvez télécharger. Et qui est stylé. Et qui ne remplace aucune arme, qui est vraiment un ajout simple, pur et dur au jeu. Hop, je serais curieux de l'équiper pour voir ce que ça donne en main. Ça a l'air sympa tout ça. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... Hop, bon bah c'est qu'un mode hein, pour l'instant, donc c'est pas encore complètement efficace. Au passage, hey. Toi, vous m'avez dit, chers amis, qu'il fallait que je pense... Déjà, récupérer le bordel qu'elle a sur elle. Ce serait pas mal. Hop, hop. Que je donne aussi des munitions pour toutes ces armes aussi, ce serait pas bête, effectivement. Hop. Faudrait aussi que je pense à lui donner des armes à elle aussi, ce serait pas mal. C'est vrai que j'en ai pas donné. Et je m'en veux. Par exemple, là, il faut du 308. Hop. C'était ici. Munition, on va lui en donner 300. On devrait le faire déjà. Bon, déjà ça, déjà, hop. Vas-y, prends ça, éclate-toi. Je t'avais donné aussi normalement un flingue. L'aurais-je récupéré? Alors, c'est con parce qu'il me semblait lui avoir donné un nom en plus. Ok, étrange. J'espère que tu l'as pas foutu à la poubelle par toi-même. Pistole. Ah bah non, il est là. 1.38. Je peux t'en donner 200. Hop, voilà. Ce que tu veux que je fasse et je m'y mets. Éclate-toi. C'est tout ce que je te demande. Donc on va ranger un petit peu notre bordel. Par exemple, les flamers. Les grenades. Le super sledge, on va aller le voir tout de suite. La canne, le bâton, le minigun. Si, le minigun, je peux le récupérer. Quoique, non, je le laisse, tiens, ça fait trop lourd. Ça aussi, je laisse. Ça, je garde. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Ça, je garde. Donc, déjà, au niveau de ça, on est bon. Hop. Là, je vide tout mon bordel. Parfait. Et on va aller voir ce qu'on peut améliorer au niveau des armes. En l'occurrence, chers amis, je voulais déjà commencer par ça. Ça ressemble à quelque chose, hein. Bobine thermique, affiche des dégâts d'énergie. Module l'étourdissement. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Bon, je suis assez déçu. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Standard receiver. Hop, d'accord. Advanced. Commençons par une advanced déjà pour faire un. Oh. Est-ce que tu sais faire d'autres? Ah, c'est de moi qui ai parlé. Ok. Oh, c'est stylé ça. Il a une bonne portée en plus. Alors, ce qui est marrant, c'est que je peux aussi en faire, vous voyez. Hop. Mais je peux aussi en faire un SMG, quoi. Pourquoi je vais pas partir sur une SMG? Parce que j'aime pas ça. Hop. Plutôt sur celle-là. Celle-là.
Et je peux rajouter un... Non, ça m'intéresse pas. Ok, et on va l'appeler donc le M2216. M2216. Voilà, tout simplement. Le shish kebab, on l'avait déjà amélioré. Et ça, c'était moisi. Ah, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus? Ah oui, améliorer des pointes. Carrément des lames dessus. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas très intéressant. Hein. Hop, au revoir. Il me semblait qu'on avait autre chose à refaire. Je me trompe peut-être. Hein. Oui, donc ça, pas intéressant. Le shish kebab, il est déjà amélioré à fond. Bon, bah écoutez, ce côté-là, on est bon. Alors, on va quand même équiper le M2216 en favori quelque part. Tiens, à la place de sulfateuse. Qui est dangereuse vu des dégâts explosifs, chers amis. Je vais y arriver. Ici, on est bon. J'ai aussi d'autres choses à vous montrer. Normalement, ça peut se crafter ici. Voilà. B90 armure. Elle a rien de friendly. De lore friendly. Si, elle a tout pété avec l'Institut. Donc je la mettrai peut-être sur un personnage de l'Institut. Cependant, je profite de l'ajout de ces mods pour vous demander ce que vous voulez que je fasse pour le 100e épisode, chers amis. Je rappelle que vous pouvez me donner des défis à réaliser, ce serait toujours sympa. Ça arrive à grands pas, et j'aimerais avoir quelque chose à faire avant... Je l'ai pas fait. Il semblait l'avoir fait pourtant. On y retourne, je vais le faire. Normalement ça va être buggé encore une fois. Si c'est buggé, je repars. Je repars aussi sec. Et je trouverai un moyen de corriger ce bug. Faut dire qu'en fait, suivant des fois, quand je lance le jeu, il est pas buggé. Des fois, quand je lance pas, il est buggé. C'est très... très aléatoire. Et là... là, c'est buggé. Au revoir. Ok. Bon. En données dissidence... Ah, il parlait à Newton Oberly, ça je comprends pas pourquoi. Problème de pillard, donc ça c'est chiant. Ok. Ah oui, donc on était parti en exploration, exact. Exact, exact, on a exploré dans le coin là. Il reste au sud de ça et au nord de ça, donc on va commencer par aller à Jamaica Plains. Vous vous rappelez, avec les trésors de Jamaica Plains qui étaient complètement naze. Et on va partir au nord, voir si on peut pas explorer un petit peu... cette zone où il n'y a justement rien, ce qui m'étonne. Donc on va s'occuper de ce petit endroit. Et je pense que... dans le prochain épisode, on ira faire un petit peu d'histoire. On ira à Mass Fusion, finalement. Et on ira s'occuper de ce choix entre la confrérie et l'institut, chers amis. Il est quand même stylé, hein. Il est quand même stylé. Ok. Nord. Ah bah il y a des choses déjà. Hop, voilà, on a équipé notre arme. Alors apparemment on avait un bâtiment par là. Et sans doute ce qui est un camp de... Wow. Minute. Pierre endurci. Hop les boum. Eh hey, mais elle a l'armure de Curie. Eh hey, tu te drogues plus normalement toi. Oh mais ça fait, hey, ça fait plusieurs fois que je suis dans le vent quoi. Eh hey, mais. Hé hey. C'est quoi ce bordel? Eh hey, mais... putain! Ça me saoule! Hop! Équipe le nouveau là. Ouais, je suis là. Non, c'est moi qui te trouve. Hop. Ok.
What the? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont à la casse, la fameuse casse? Bah tiens, on va aller faire un tour. Oula. Oula, le nombre de rats que je me bouffe. Oula, là il me faut un radaway là. Ah, j'étais à fond dedans, mais. Du coup, j'ai fait une connerie. Oh putain, il va falloir qu'on aille vendre aussi des. Du bordel. Oh la vache, ça tiroir hein. Ok. Et de 1. Quoi? On l'a entendu et on l'a vu. Hop. Y'a pas grand chose toi mon pote hein. Y'a des pillards. Mais non, c'est pas le vertiptère que je veux. Ah, ah bon bah j'ai personne d'autre en visuel apparemment. Non, il veut pas. Aïe, chargeur. Hop les. C'est bon. Il a dit aïe ce con. Qu'est-ce qui peut être con, il a dit aïe. Hop. Ennemi légendaire a muté. Merde. Bouffe. Non, pas vraiment, non. Vous êtes trop violent. Aïe. J'ai l'impression d'entendre un deuxième. Oh la vache. Mais ça pète de partout. Allez hop, meurs. Qu'est-ce qu'il avait? Intéressant. C'est quoi ce bordel, cette arme? Excuse-moi, je fais une pause dans la. Dans l'arme, dans le combat parce que. Je me rappelle pas qu'il y avait autant de bois sur cette arme, qu'il était aussi classe ce bois. Bizarre. Ok. Un parapluie, bah je prends, écoute, hein, s'il faut que je le prenne. Aïe. Ah, je le voyais pas dans le buisson. Il fait mal, dis donc, ouais. Hop. Seigneur super mutant légendaire, carrément. Kate? Trinity! Aide-moi! Marchera pas? Marchera pas. Hop, tiens, regarde, là, j'ai ta tête devant moi, là. Hop! D'accord. Oh putain, je dois te crever. Bien d'accord. Boum. Ok. Donc en fait cette casse était une zone de super mutants. Pourquoi pas. Ok. Ah tiens, oh non, je vais récupérer l'XP. Hop. Génial. A lottery winner's ring. Pourquoi pas. Pour ouvrir, je suis là. Non, non, ça ira, je te remercie. Pas de munitions.
Hop, toolbox. Ouf, novice. Boah. Hop, c'est bon. Ouais. Duct tape. Pour 7 points d'XP, remarque. Quoi? Ah, mais il y en a encore! Quelqu'un nous suit. Ça va chier! Attends. Qu'est-ce que. Ok, c'est bon, lui on l'a eu. Il doit être dans le coin, hein. Non? T'as vu ça? Putain, je l'ai pas vu, je l'ai pas imaginé venir par là. Et oui, je l'avais vu pour ta gouverne. C'est pour ça que je l'attendais en bas en fait. Mais oui, tout était prévu, chers amis. Hop. Tu tires avec quoi? Oh, le pistolet, génial. J'ai réussi? Ah oui. Crac. Ok. Oh. Intéressant ça. De la Dictol en plus, ça se revend bien. Génial. Bon. Voilà un endroit qui est charmant. On a une espèce de comment de caravane là-haut, on va essayer d'y aller. Sûrement quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Au niveau de notre santé, cher Pip-Boy, dis-moi. Est-ce que c'est la forme? Pas vraiment. Ah bah si. Ah c'est l'XP, putain. Nya. Ok, bon bah le steam pack que j'ai perdu, je l'ai regagné. Un petit peu de psycho pour Kate. Mais vous pouvez le dire, quel connard. Medix, du jet, des mentats. Moi je préfère appeler ça des mentats personnellement, mais enfin bon. Apparemment c'est pas comme ça que vous voulez que je les appelle. Hop. Ça manque un petit peu de... C'est vrai que la carte fait un peu petite. Il manque quelque chose. C'est pas un Skyrim, quoi. Où on peut passer des milliers et des milliers de... Oh, les aventures d'un vendeur de viande séchée de Junktown. Et voilà. Meilleur prix auprès des marchands. Hobo's Ring, Shotgun Damage Plus. D'accord, bon, ça voit. Hop, mini nuke, je prends. Je voulais prendre d'abord ce qu'il y avait là-dedans. Seigneur de guerre, super mutant, parler. Alors là... Là, je crois qu'on touche quelque chose, chers amis, là. Hop, je recharge. Je crois que je vais avoir besoin de lui faire les poches. Autant se peindre une cible sur la tronche tant qu'on y est. On va les fumer. Apparemment, il est partout et nulle part à la fois. Bon, c'est très bizarre. Là, je veux bien reconnaître qu'il y a... Il y a de la connerie, là. Mais enfin. Pourquoi pas, après tout, hein. On est en plein milieu, forcément. On va partir voir le truc là-bas. Aïe, je m'en doute un petit peu. Mais non. J'ai des flingues, si j'avais besoin d'en finir avec la vie, crois-moi, ça serait fini depuis longtemps. J'ai des flingues et de la drogue, merde. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours proposer pour le 100e épisode.
On a plein de trucs par là qu'on n'a pas trouvé. Toute la zone là, d'accord. C'est quoi, c'est une ville? Hop. Hello. Personne? Ah, il y aurait bien le lycée chaud, d'accord. C'est un lycée qui est chaud, d'accord. Bah écoutez, on va y faire un tour. Voir s'il reste quelques étudiants. Ça pourrait être sympa. Ou des étudiantes. Ok, ça commence très très mal. Je suis assez silencieux quand même. Hein. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Mais non, y a personne. Y a personne, te dis-je. Une minute. T'as perdu. Oh, ça doit faire mal. Putain, légendaire, forcément. Fusil laser. Oh la vache! Ok, tu me plais, toi. Je vais peut-être enfin me mettre à l'équipement laser. Quelqu'un nous suit. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Voilà! C'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Une spécialiste, mais quelque chose me dit qu'on devrait éviter de bouffer ce qu'on trouve ici. Tu crois? C'est vrai que ça a pas l'air top. Là, tu m'as mis en colère. Oh, pauvre petit. Tant que t'es pas un kamikaze, j'ai aucune raison d'avoir peur de toi. C'est quoi ce bruit? C'est rien. Un courant d'air. Un courant d'air qui vous dit « Je vais vous buter !» Y'a Kate qui court un peu n'importe où, n'importe comment. Putain, il m'a foutu les boules. Dégage. Mais recharge, mon dieu. Ah, il est rapide à charger. Hein. Merci. Oula. Oula, mais calme-toi, jeu. Viande, mâchoire humanoïde. Humaine, merde. Ok. Ah, ça m'a empêché de me soigner. D'accord, ok, c'est pas grave. Je voulais juste mettre la lumière à la base. Oh putain. Tu me fous les boules. Hello. Je sais pas où est-ce qu'il est celui-là, mais... BD Grognac brûlé, merde. C'est con cette histoire. Wouhou! Un couteau! Gars! Chewing gum. Non, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est mieux rangé que ma piole à la fosse. Tu m'étonnes. Oh, intéressant. Rien d'intéressant dedans, mais intéressant comme pièce parce que vous voyez, elle est difficile à atteindre. Quelque chose d'intéressant? Non, rien du tout. Bon, bah tant pis, on y retourne. Apparemment, il y a quelqu'un en sous-sol. Hein, mais qui, quoi, que, comment, aucune idée. Hein. Porte déverrouillée, maître. Non, c'est vrai. Bon, bah c'est parti! Aïe, ça commence mal. Non, non, non. Ah ah. Ah bla. Viens voir papa. Parfait. Ouais.
Eh oh! Oh putain. Ça pue la mort ici. Oui, c'est moi qui ai pété. Encore. Par contre, je ne vois aucun ennemi. La musique s'acharne, hein, mais... Oh putain, c'est pas passé loin. C'était sûrement rien. Effectivement, c'était sûrement rien. Attends. T'as entendu ? Allez, meurs. Hop, merci. Aïe. Faut faire gaffe, non ? Si tu veux te faire sauter, fous-toi directement un flingue sur la tempe. Oui bah écoute, je les vois pas des masses tes putains de mines. Désamorcer. Hop. Retour des livres, si ils ont quoi dans le retour des livres? Rendre les livres en retard, oui. Utiliser les crédits, qu'est-ce qu'ils ont quoi? Ils ont quoi ici? Manta. Rien du tout. Ok, au revoir. Ok. Super Slage, c'est quoi ça? C'est le même? Je sais pas. Il y a Sledge Hammer et Super Sledge. Ah oh bah oui, bah. Tu as foutu un sacré bordel ici. Oui, c'est moi. Tiens. C'est quoi? Tais-toi. Et porte ça. Et ça. Tu veux quoi? Merci. Tes fesses, ça m'arrangerait. Je l'avoue. Armure. Gnagnagnagna. Ok, Student Ring, on le prend pour le plaisir. Et on a les increvables lire. Totalement les dégâts d'une attaque permanente. D'accord, intéressant. Plus qu'intéressant même. Ok, c'est bon, c'était tout ça pour ça, mais c'était quand même pas si mal. Par contre, il reste un ennemi que je ne trouve pas. Porte déverrouillée novice. Alors, par là. Ah, j'étais pas loin. Hop les. Joli. Oh, une holotape. Très bien, je suis là. Allez, crachez le morceau. J'ai beaucoup de projets pour cet été et croyez-moi, vous n'en faites pas partie. Alors là, Ronald, vous me blessez vraiment. Pour venir droit au but comme ça, sans aucune considération, après tout ce qu'on a fait ensemble ce semestre. Pour la dernière fois, je vous prierai de m'appeler Monsieur le Principal, petit mort. Oh. Sinon je raconte tout à Marcello. Marcello. Comment? Qu'aurez-vous devenu aussi malin? Chaque semaine, vous me donnez des pilules pour booster mes capacités intellectuelles. Vous attendiez à quoi, espèce de minable? Putain, mais il est où? Alors, admettons que vous ayez raison. Personne ne vous croira jamais. Que vaut la parole d'un gamin à côté de celle du principal de l'école? Pas grand-chose, je présume. Oh. Piégé. Ho ho. Ho ho, que c'était pas loin. Hop. On a frôlé la catastrophe. Terminal du corps enseignant. Ah. Ok. Cover. Non, c'était pas cover. Donc ça peut pas être lover. Mist. Ça peut pas être Mist. Ça peut pas être Views. Ça peut pas être Civil. Ça peut pas être Cheap. Fetch. Ça peut être Fetch.
Alors. Hop. Hop. Non, 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 non. Non, non. Non. Alors. Ici. Ici, ça pourrait être fetch, hein. Ça pourrait être Wix, pardon, excusez-moi. Je chie dans la colle. Ok. Ça y est. Voilà. Mémo à l'attention du corps enseignant et du personnel. Mémo du principal Tanner, mémo du principal Tanner, mémo du principal Tanner. Lecture seule. Bizarre. M'intéresse pas des masses. Document technique, par contre, ça m'intéresse. C'est de l'argent. D'accord, donc là, je reconnais. Pardon, il semblerait qu'il y ait une pièce que je n'ai pas encore visitée, qui soit en sous-sol. Oui, il y a un ennemi. Je le rêve pas cet ennemi, merde. Ah, attendez. Bah non, c'est le... la zone normale. C'est comme s'il était juste en dessous, en fait. Alors, attendez. Je suis curieux de voir, parce que putain. Donc, il y a bel et bien quelque chose. Donc, il y a bel et bien un moyen de descendre. Comment on est censé descendre dans le coin? Ah bah oui, il y a une porte là. Je suis trop con. Allez, viens. Viens. Moi qui récupère le matos. Ah bah écoute. Hey. Qu'est-ce que tu veux? Allez voir s'il avait quelque chose d'intéressant sur lui. Dans des endroits si romantiques. Ah oui, je sais. Désolé. T'as tout récupéré? Prenez tout ce qui pourrait être utile. No problemo. Parfait. Bonne fifi. Viande de rat de serre, viande de chien errant. Pourquoi pas. Ah bah d'accord, c'est le chien qui faisait la cuisine. Je comprends mieux, mais oui. Ah ah ah. Des mentats, des mentats. Et des mentats partout. M'étonne pas vu qu'il en distribuait partout. Bon, ok. Ce côté-là, c'est fait. Hop. Je voulais voir un truc aussi. Non, ça n'aurait pas marché. Je trouve ça chiant d'être dans la grande lumière en arrivant dans le bâtiment. Enfin bon. C'est comme ça. Hop. Alors, MTB. C'est comme là, il y a l'air d'avoir un bâtiment important là. Je crois qu'il y avait quelqu'un là-haut. Wow. Bonjour. Hop là. Oh merde. Hop là. Ah merde. Je suis trop lent. Sûr d'avoir entendu quelque chose. Elle est pas précise. Hop, quoique j'ai rien dit. J'aime pas les kamikazes. Fallons. J'entends quelque chose. Je vais t'arracher. La fête commence. C'est tout ce que tu sais faire. Fais gaffe. Non, c'est bon. Ce qui pourrait servir. Effectivement. Et
à couvert ? Pas de sang pour aujourd'hui. Oui, pas de sang. Un bruit ? C'est quoi ce bruit ? Attends un peu que je te retrouve. Ça va chier. Mais oui, mais enfin bon, ça va chier, mais enfin bon... Hop, elle utilise le shotgun carrément. Oula. Presque trop facile. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Oula. J'ai plus de grenades. Bon. Enfin si, j'ai une grenade. Hop, grenade. Salaud! Il m'en a renvoyé une! Il veut jouer à la baballe! Oh putain, je crois que le coup de marteau m'aurait fait très très mal. Hello! Excusez-moi. Waouh, c'est chiant. Ok. Oh. Catching! Ah bah non, même pas catching. Ok. C'est quoi ce bruit? On dirait du gaz. On aurait dit du gaz. Comme s'il y avait une fuite de gaz ou quelque chose dans le genre. Ok. Pas de catching non plus. Oh bla, je suis trop lourd. Simone. Hey. Mmh. Oh, et moi qui croyais que tu voulais faire un gros câlin. Ça va venir, t'inquiète pas, je te ferai un gros câlin. T'as pas idée. Hop. C'est vrai que je commence à me balader avec un petit peu trop d'armes. Là, ça commence à puer un petit peu du cul. J'arrive plus à me décider dans mes armes. Ah, il y a aussi le fait que tout à l'heure j'ai pris aussi une chienne de commande d'armure sur elle et que, oui, je vois. J'ai pris une chienne d'armure sur elle et je les ai pas rangées. Mais c'est pas grave. On y va. Alors. Oh, c'est une station de métro. Ouais, non, j'aime pas les stations de métro. J'aime pas ça, les tunnels. Fini de jouer. C'est l'heure. Une minute. Et toi, t'es mort comme un rat de cafard aussi. Ok. Bloc-notes abîmé, non. Mince, j'ai vu des munitions un peu partout. Ça m'a jamais dérangé ce genre de truc. Les araignées, par contre. Porte enchaînée. Ok. Je teste ce genre d'endroit. C'est histoire d'être sûr en fait. Hein. Ah, tu m'étonnes. Putain, ah oui, elle était là, je l'ai pas vue. Je l'avais pas vue, hein. Sincèrement. Cachette de capsule. Hop. Porte déverrouillée, novice. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a par là. Bla. Oh. Oh. Hop, c'est bon. C'est bon. Bla, la porte. Deux Steam Packs. Oh le pauvre. J'ai bougé son corps au moment où j'ai ouvert la porte. Absolument dégueulasse. Presque autant que ça. Cartouche. Viande de Yao Guai. Cool. Alors.
Bon. Bah. Un bruit. Tu sais que tout à l'heure j'ai envoyé une grenade, mon pote, hein. Quelqu'un nous suit. Hop, aide deux. Bah oui, écoute. Et encore, je trouve qu'on tire. On voit quoi que c'est. Ouf, j'ai cru que c'était un piège. J'achète deux capsules. Jeton de métro. Hop, capsule jet psycho. Alors. Reprenons. On va bien trouver un truc intéressant. Un moment ou un autre, oui, c'est sûr. On descend encore plus profond. J'aime pas ça. C'est quoi ce bruit ? Vu qu'on n'a pas de petits cailloux. Attends, t'as entendu ? Par contre, si tu pouvais éviter de passer devant moi, merci. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un paquet de cigarettes, oui, pourquoi pas. Mais encore, c'est quoi ce... what? J'ai cru voir une espèce de bug, non? C'est peut-être le canon de d'elle, ouais, c'était son canon. Ok, son gros canon. Ah bon, son droit ne m'aura servi à rien. Est-ce que je peux ouvrir les portes là? Non. Marche pas. Il avait un os de pied droit sur lui. Bah merde alors. Quelqu'un a réussi à faire marcher un de ces foutus trains? Bah moi. Apparemment. Je t'avouerai que je suis sur le cul moi aussi. Ok, donc là. Ça a jamais été mon truc, ce machin-là. Ok. Pourquoi pas. Il n'y a plus beaucoup d'ennemis dans le coin parce que ça réagit plus quand je tire. On nous suit. Par là, s'il te plaît. Non, c'est bon. Il est mouru, t'inquiète. Ok. Hop. Bah, j'imagine qu'on va rappuyer ici. Oh, porte de sécurité des verrues novices. Ça peut être intéressant. Aïe. C'est vrai que je l'avais bien abîmé, hein, je reconnais. Hop. Génial. Pas compris l'utilité. Et du coup, j'ai peut-être loupé un bouton par là, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ça devait être ça. Il y avait un bouton ici. Par contre, comment on y va? L'utilité, c'est quoi? Ok. On y retourne. Ah, il y a un deuxième. Elle est là, l'utilité. Hop. Ah non, ça va, ça n'en fait bouger qu'un. Par contre, je suis curieux de savoir où est-ce que je vais ressortir. Hop. On le fait revenir. Comme ça, on peut venir là. Voir qu'il n'y a rien à prendre. Par contre, on peut être là, à un endroit où on n'a pas encore été. Et il n'y a plus de porte, effectivement. Du coup, là, on rappuie là. La porte vient.
C'est toujours la même en fait. Donc il y a zéro intérêt encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi. Je touche à rien. Je sais même pas à quoi sert la moitié de ces trucs. Tu m'as fait venir jusque là. Je me sens un peu floué. Bon, c'est bizarre. Je croyais que la porte était ouverte. Je comprenais plus, moi. Hop. Bon. Bah écoutez, on va progresser, hein. Bonjour, vous attendez toujours le train? Déverrouiller, avancer, voyons voir. Oh, c'était dur. Ça y est. Non. Ok. Déverrouiller expert. Bla. Ok, ça c'est bon. C'est bon. Parfait. Terminal utilisé, pourquoi faire? Maintenant j'ai terminal de personnel. M'intéresse pas. Hop, un fusible, je prends. Je prends toujours les fusibles. Pas pourquoi, hein, mais je les prends. Ok, duct tape. Ok. Où tu es, Kate? J'entends me parler comme si t'étais juste à côté, mais... Faut que je te rouvre la porte, c'est ça que t'es en train de me dire? Parce que du coup, je vais pas savoir comment faire, en fait. Ah si, par là. Je suis con. Kate? Kate, ici? Eh bien. Viens, Kate. Eh bien. Hey, viens par ici. C'est pas jouable. Si. Venez ici. Comment tu veux que j'aille là-bas? Oh, bah écoute. Si en plus tu cherches à me saouler. Ok. Oh, gorge et peine. Le crochetage est plus facile. Ah non, je peux pas y aller par là, hein. Et par là non plus. Ça ne m'ouvre actuellement aucune porte. Mais en plus, c'est que je vais être coincé dedans. Il n'y a pas de sortie à l'autre bout. Bon, merde alors. Je vais quand même aller regarder le truc là parce que des fois que. D'accord, bon. Ça ne m'aidera pas. C'est ça que ça veut dire. Non. Ok, bon. Là, ok, je comprends. Je comprends moins l'utilité cependant, mais je comprends. Là, par contre, j'ai aucun moyen de passer. Si, voilà. Hop. Si je rappuie.
Il se passe rien. Bon. Tu le lis, hein. Par contre, du coup, je vois pas du tout l'intérêt de cette zone. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait une porte qui était verrouillée en haut. Enfin, qui était barrée. Sauf si j'ai loupé des portes ici. Ce qui est tout à fait possible, hein. Bien que... Il y a une chaîne de l'autre côté. Alors, juste pour voir, chers amis, hein. Parce que là, ça m'intrigue. Tout un passage. Ok. La tambouille de Super Mutant. D'accord, donc il y avait bel et bien un moyen en fait de remonter. Apparemment. Il y avait bel et bien un moyen de remonter, hein. Ok. Bon. Tant pis. Hop, 10. Tant pis. Je l'ai pas trouvé. Crac. Bon. Eh ben on reprend. Et on repart. Je suis vexé de pas l'avoir trouvé, mais enfin bon, pas plus que ça au final. Hein. Ça me semblait assez bordélique, entre guillemets, de base. Bon, enfin bon. Alors. Nous, on va se laisser là, je pense, chers amis, parce que c'est un épisode qui est quand même assez long, je pense. Ouais, il est assez long. Bon, et bien écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc faire trouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le description de l'épisode ou dans la bannière. Et mon partenaire GamesFlamette.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.